Salut à tous les amis, c'est Kardex et aujourd'hui on se retrouve pour la troisième partie du tuto du centre commercial. J'espère vraiment qu'elle va vous plaire et ce ne sera pas la partie finale puisque je vais vous faire plaisir. Pas mal d'entre vous m'avaient demandé de faire l'intérieur, donc je vais pas faire tout l'intérieur mais je vais vous montrer des exemples de l'intérieur. Donc déjà je vais faire l'accueil dans l'intérieur, donc la partie ici, la grande partie là je vais la faire et je vais faire quelques exemples de magasins pour vous montrer. Comme ça vous aurez au moins un minimum de décoration, j'espère vraiment que ça va vous faire plaisir. Donc n'hésitez pas vraiment à liker la vidéo ici pour la partie 3 et ensuite il y aura encore un épisode 4 pour l'intérieur. Donc voilà, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Donc les matériaux qu'on va devoir prendre, ce sont donc les matériaux comme le béton blanc, les murs en andésite, les barrières en sapin, les feuilles tropicales, le bloc de pierre, les vitres teintées en gris, les vitres teintées en blanc et les boutons de pierre. Donc on va commencer directement. Donc aujourd'hui on va faire la partie 3, donc ici. Donc tout ce grand L ici qui se termine, hop, jusque ici. On va faire toute cette partie là. Donc on aura fini le centre commercial, il restera plus que la partie 4 pour l'intérieur. Alors donc tout simplement on va venir du côté droit ici de cette grande surface, de cette grande zone ici. Hop, on va venir ici. Et là on va compter 5 blocs. On va partir de là. On va compter 5 blocs et pour compter on va mettre voilà, des blocs de pierre, c'est juste pour compter. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait, on enlève les 4 premiers, donc on est ici sur le 5ème. On va démarrer du 5ème, mais à ce niveau-là, avec le béton blanc. Et on va donc ajouter 25 blocs, d'accord? Donc on vient là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Parfait. On enlève ensuite le bloc qu'on avait mis là. Donc voilà, ensuite on est ici, on va partir sur la droite et là on va ajouter 74 blocs, d'accord? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74. Parfait. Donc pour savoir si on est vraiment à la bonne longueur, on va aller jusque là-bas. On va partir du bloc ici. Enfin de cette surface-ci, on va se mettre contre, enfin moi en tout cas je vais me mettre contre, et puis je vais partir jusque l'autre bloc, et si on arrive pile poil devant, c'est qu'on a atteint les 74 blocs, et c'est donc parfait. Donc c'est sûr ça prend un peu de temps ici hein, de faire ça, mais alors on va voir tout de suite si c'est correct. Hop, parfait, vous pouvez remarquer, on atteint la même, enfin on est sur la même ligne de blocs, donc c'est parfait. Donc ici on va repartir sur notre droite, hop. Et là, on va ajouter 59 blocs, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9. 59, parfait. Donc une fois qu'on a nos 59 blocs, on arrive ici. On va pouvoir donc... Attendez, je regarde si je me suis pas trompé. Alors on a ça comme distance ici. Je suis quand même allé regarder là-bas, normalement c'est tout à fait correct. Hop. Ouais, c'est parfait. Donc hop, on revient ici. Là, on est donc ici, on va pouvoir ajouter 25 blocs sur la droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Parfait, une fois qu'on a fait ça, on vient sur la droite ici. Là, on va ajouter 34 blocs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9. Donc on est à 29.
29, 30, 31, 32, 33, 34. Parfait. Une fois qu'on est là, normalement, on va revenir comme ça. Et normalement, si je ne dis pas de bêtises, on va arriver pile poil sur la ligne de bloc qu'on avait déjà posée. Hop, hop, hop. Voilà, parfait. Vous voyez ? Donc si vous avez tout fait les blocs et que vous arrivez pile poil ici, c'est que tout est correct. Donc une fois qu'on a fait ça, toute cette surface ici qu'on a, vous allez mettre du béton blanc à l'intérieur. Je sais, ça va être vraiment long à faire, mais on est obligé d'y passer. Donc vous mettez du béton blanc sur toute la surface, donc ici et également ici, hop, donc à ce niveau-là. Hein. Et on va se retrouver tout de suite une fois que ça aura été fait. Alors voilà les amis, une fois que vous avez terminé de mettre du béton blanc sur l'ensemble de la surface, vous pouvez donc prendre maintenant le bloc d'os, et on va prendre le bloc d'os et on va monter à la même hauteur que ce que l'on a fait ici. Donc il y avait 7 si je ne me trompe pas, non il y a 6, ok. Ok, donc 6 blocs en hauteur, donc je vais vous montrer, hein. Donc on commence à partir de là, donc là on peut déjà mettre 1, 2, 3, 4, 5 et 6, parfait. Et donc là, ici, on va faire le contour c'est très simple, on laisse à chaque fois un bloc avec le bord de la surface. Regardez, hop, à chaque fois on laisse un bord avec un bloc d'espace, et on fait ça sur l'ensemble de la surface blanche qu'on vient de faire. Donc ça, je vais le faire avec vous, après, je vous laisserai monter l'ensemble des blocs sur 6 blocs en hauteur. Hein. Alors, hop, ici, voilà, puis comme ça. Voilà, on en revient comme ça, et du coup on va faire vraiment tout le contour, hop, parfait, on revient comme ça. Hop, jusque là du coup, et là on est reparti comme ça. Attendez, hop, je vais mettre de ce côté-ci, voilà, parfait. Et du coup, là, on arrive là et tac, on fait ça comme ça, parfait. Du coup, une fois que vous avez fait l'ensemble du contour comme ça, vous montez donc l'ensemble des blocs au niveau ici, donc 6 blocs en hauteur, 2 blocs d'os, vous faites ça pour l'ensemble des blocs et on va se retrouver tout de suite. Alors voilà les amis, une fois que vous avez terminé de monter l'ensemble des murs, vous allez reprendre le béton blanc, vous allez venir ici sur la gauche à partir du bloc ici vers l'extérieur, vous venez comme ça et vous allez contourner l'ensemble des murs et ensuite vous allez pouvoir tout simplement combler le toit comme on a fait pour le sol en fait, hein. Vous allez tout simplement combler le toit, donc je vais vous montrer quand même pour les contours, donc on fait ça jusqu'ici au bout, hop, on revient comme ça. Voilà, on vient ici. Comme ça, voilà, parfait. On revient comme ça. Et puis on termine sur la dernière ligne droite ici. Hop. Voilà, parfait. Donc maintenant les amis, comme pour le sol qu'on avait fait là, vous remplissez l'ensemble de toute la surface. Donc ici même je peux déjà vous faire ça, au moins ça sera fait. Voilà, donc maintenant vous remplissez l'ensemble de la surface en béton blanc et on va se retrouver tout de suite. Alors voilà les amis, une fois que vous avez terminé de tout compléter avec le béton blanc, vous pouvez donc prendre maintenant les dalles de pierre et vous allez venir au niveau ici. Vous allez faire, enfin vous allez laisser ici deux blocs d'espace et puis ici vous allez faire deux comme ça, d'accord, puis là vous allez faire 1, puis là on va faire 2, 2, 2, donc à chaque fois c'est un bloc d'espace, hein, vous pouvez remarquer, puis on revient là et là on va faire 1, 1, tout simplement, d'accord, donc ce qu'on vient de faire là, on va tout simplement le prolonger vers l'autre côté à chaque fois, regardez, vous voyez, je vais mettre ça en accéléré et on va se retrouver tout de suite.
Alors voilà les amis, une fois qu'on a terminé de faire ça, on peut maintenant se rendre sur la face ici avant. Donc hop, on vient à ce niveau-là, d'accord. Là tout simplement, on va pouvoir prendre tout d'abord le mur en andésite, d'accord. On va laisser ici sur le côté 1, 2, 3 blocs d'espace et au quatrième, hop, on met un mur comme ça en andésite, d'accord, tout simplement. Puis maintenant, on va pouvoir prendre le béton blanc. Et on va pouvoir, hop, venir sur la droite. Ici, on va mettre une petite colonne, pas là, mais ici, voilà, en béton blanc, comme ça. Ensuite, on prend les vitres teintées en blanc. On va pouvoir en mettre 5. On commence ici. Et on va en mettre une, un bloc d'espace, une, un bloc d'espace, une, un bloc d'espace, une, un bloc d'espace et une. Ça fait une, deux, trois, quatre, cinq vitres qu'on va monter, hop, jusqu'en haut, comme ça. Voilà, parfait. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut prendre les vitres teintées en gris. On va venir tout d'abord ici, on va faire hop 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 jusqu'en haut. Et on remplit. Et pareil pour celle-ci. Et hop, pareil, on remplit tout ça, voilà. Ensuite maintenant on prend les barrières en sapin. On va laisser ici 4 blocs d'espace, 1, 2, 3, 4, au cinquième on en met une. Puis ici on laisse 3 blocs d'espace, 1, 2, 3, hop, et on en remet un. Et on met tout simplement des feuilles tropicales, on en met 3 ici, et là on en met 2. Donc hop, si je prends du recul, les amis, ça me donne ça, vous pouvez faire pause hein, si vous voulez, pour vraiment avoir une idée. Donc voilà, ce mur là, il est fait, donc maintenant on va pouvoir passer au mur ici, hop. Là tout simplement déjà vous pouvez prendre le béton blanc. Vous allez laisser ici 15 blocs d'espace, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 blocs d'espace. Au 16e bloc, vous mettez du béton blanc, donc il y a bien 15 blocs d'espace ici. Vous pouvez prendre tout d'abord les murs en andésite, on va pouvoir en placer un ici, hop, au 4e, 1, 2, 3, 4, donc il y a 3 blocs d'espace ici. Puis on laisse 2 blocs d'espace, on en remet un. Voilà, donc il y a 2 blocs d'espace ici. Et puis on va en remettre un juste ici, en laissant 3 blocs d'espace. Voilà. Et au quatrième, du coup, on met notre mur. Du coup, ça nous donne ça. On prend ensuite les barrières en sapin. On va venir en mettre une ici. On en met une également ici. Et on en met une juste ici. Alors ensuite, on prend, hop, nos petites feuilles et on en met, voilà, sur des hauteurs différentes, et ça nous donne ça. Pour terminer, on va prendre les boutons gris, hop, voilà, et on va en placer un peu partout sur le mur, voilà, où vous voulez. Voilà, parfait. Hop, je vais mettre ça comme ça. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, les amis, on va pouvoir venir sur celui-ci comme mur, et là, tout simplement, on va faire la même chose que on a fait ici. D'accord, donc c'est exactement la même chose. Déjà, hop, on va venir, on va compter ici. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ok, bah on va faire pareil à partir d'ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Parfait, on va monter comme ça jusqu'en haut. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir venir à partir d'ici. Là, on va laisser, hop, 3 blocs d'espace. 1, 2, 3. Et on met ensuite des vitres teintées en gris. Hop. Voilà, parfait. Ensuite, ici, pareil, 3 blocs d'espace. 1, 2, 3 blocs. Hop. Au quatrième, on place comme ça. Vous voyez, à chaque fois, 3 blocs d'espace là, 3 blocs d'espace là. Et alors là, c'est comme on avait fait pour l'autre partie, à chaque fois maintenant on va augmenter progressivement. Donc là on va faire 4 blocs d'espace. 1, 2, 3, 4, hop. Là on va laisser 5 blocs. 1, 2, 3, 4, 5. Là on va laisser 6 blocs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Là on va laisser 7 blocs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Et là, on va laisser 8 blocs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parfait, hop. Voilà, maintenant, on comble tout simplement les espaces avec nos vitres teintées en gris.
Voilà, on fait ça pour chaque vitre. Voilà, parfait. Une fois qu'on a fait ça, maintenant, on peut tout simplement mettre comme j'avais fait là. Donc j'ai regardé, mais normalement, voilà, ouais, c'est ça. On met plein de boutons sur toute la surface. Donc hop, on vient ici. Et là, on met encore une fois un peu des boutons où on veut. C'est vraiment comme vous voulez. Hop. Voilà, des fois c'est un peu bizarre, mais bon, c'est tout à fait normal. C'est mieux quand c'est mis au hasard que quand c'est mis vraiment. Enfin, moi en tout cas, je trouve que c'est mieux quand c'est mis comme ça, au hasard. Voilà, parfait. Du coup, une fois qu'on a fait ça, on peut se rendre sur le mur ici à l'arrière. Donc, hop, pour ce mur-là, vous allez tout simplement commencer, hop, ici. Et là, on va mettre le même nombre de blocs qu'il y a ici. Donc, il y a au total 5 blocs. Parfait. Donc, à partir de là, 5 blocs. 1, 2, 3, 4, 5. On fait ça sur l'ensemble jusqu'en haut. Voilà. Maintenant, à partir de là, on va rajouter 15 blocs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 blocs. Et on va monter ces 15 blocs jusqu'en haut. Donc hop, comme ça. Voilà. Et ensuite, on va faire comme l'autre partie qu'on avait fait. Hop, ici. Vous allez mettre donc tout simplement des barrières en sapin un peu partout. Donc on va en mettre vraiment. C'est vraiment au hasard. Hop. Voilà. On en met vraiment n'importe où, voilà, hop, et ensuite on met des feuilles, mais on va vraiment alterner, donc une fois on met 3 blocs de hauteur, une fois on met 2 blocs, on peut même mettre 4 si on veut, voilà, parfait. Voilà. Du coup, parfait, une fois qu'on a fait ça, on peut se rendre maintenant ici, hop, et là tout simplement, nous allons pouvoir prendre déjà le béton blanc, on va rajouter 8 blocs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop, et on monte jusqu'en haut. Parfait. On a ça. On vient là sur le coin, on fait hop, un pilier qui monte comme ça. Parfait. Et là, vous allez prendre les vitres teintées en gris. Ici, vous allez laisser 5 blocs d'espace. 1, 2, 3, 4, 5. Et au sixième, on met notre vitre. Voilà. Ensuite, ici, vous laissez 3 blocs d'espace. 1, 2, 3. Au quatrième, on met notre vitre. Voilà. Puis ici, vous allez laisser encore 3 blocs d'espace. 1, 2, 3. Et voilà, c'est parfait. On arrive au bout. Donc, hop. Comme ça. Et voilà, maintenant, vous prenez des boutons. Et pareil, on va encore ajouter des boutons où on veut, comme ça. Voilà, parfait. Maintenant, il nous reste, les amis, les deux dernières faces ici. Donc là, déjà, on va pouvoir prendre le béton blanc. On va venir ici. Et là, on va ajouter 6 blocs. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait, vous faites ça, hop, jusqu'au bout. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, donc normalement, ouais, de toute façon on s'en fout si c'est pas exactement le même, je pense que c'est exactement le même en plus. Là, une fois qu'on a fait ça, on va venir ici dans le coin, on va ajouter 4 de chaque côté. 1, 2, 3, 4. Et là, 1, 2, 3, 4. Enfin, en fait, c'est, ouais. Vous voyez que c'est un angle comme ça avec le premier et puis 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc on fait ça jusqu'en haut. Voilà. Parfait, donc là maintenant ce qu'il nous reste à faire c'est mettre encore une fois des vitres teintées en gris. Donc là pour moi ce que j'avais fait c'est que je les avais mis un peu n'importe comment. C'était vraiment pas, il n'y avait pas vraiment d'obligation. Donc là vous voyez vous faites par exemple ici on les met là. Puis là on va laisser 3 blocs, on va recommencer comme ça. Il n'y a vraiment pas d'obligation pour ce côté là, c'est vraiment au hasard, c'est comme vous voulez. Hop, ici. Voilà, hop.
comme ça, puis là on va laisser un peu plus. Hop, et pour terminer, on va en faire une juste ici. Parfait. Donc c'est pas grave si vous avez pas exactement le même que moi, hein. Je dis c'est vraiment au hasard, donc il n'y a pas vraiment l'obligation de faire le même que moi. Et du coup là on va faire la même chose, donc là on va laisser deux blocs comme ça. On n'a sûrement pas la même truc, mais c'est pas grave, deux, puis là je vais laisser trois. Parfait, hop. Ensuite j'avais laissé 4, 1, 2, 3, 4. Voilà, puis j'avais laissé 3. Voilà, puis j'avais laissé 4. 1, 2, 3, 4, hop, 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 hop. Voilà, et ici on va en rajouter une, voilà, à deux blocs du bord, comme ça. Et c'est parfait. Du coup, voilà les amis, c'est parfait. Du coup, on a terminé pour ce qui est voilà, des murs et tout ça. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire encore, c'est les piliers. Donc les piliers de pierre, on va faire exactement comme ici. Donc tout d'abord, on va en faire un, voilà, ici à deux blocs du bord, je vois ici. Donc hop, on vient ici. On se met pas au premier ni au deuxième, on va au troisième. Et on va là, du coup on laisse deux blocs d'espace, 1 et 2. Et donc je vous ai dit, donc en fait c'est 1 et 2 là et 1 et 2 ici. Vous voyez? Ensuite vous le faites descendre jusqu'en bas. Puis vous laissez 9 blocs d'espace. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 d'espace. Au 10e et 11e, vous mettez des blocs de pierre. Donc il y a bien toujours 9 blocs d'espace ici. Et puis là pareil, 9 blocs d'espace. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et donc ici, parfait. Donc on est ici à deux blocs du bord, 1 et 2. Voilà, donc on a déjà fait nos piliers ici vers l'avant. On se tourne maintenant ici vers la droite, et là tout simplement à chaque fois il y aura 9 blocs d'espace. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 blocs d'espace, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, alors il me reste encore combien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà, donc normalement, si je monte ici, comme ça, on est ici à 3 blocs. Donc je me suis sûrement trompé quelque part. Et ben c'est au dernier, encore une fois. J'ai mis à 8 alors que c'était à 9 blocs d'espace. Voilà, pas faire comme Cardex, ne pas se tromper. C'est toujours bien 9 blocs d'espace entre les piliers. Ça, c'est une valeur sûre. En tout cas pour maintenant, parce qu'après ça sera plus le cas. Mais pour maintenant, c'est toujours 9 blocs entre les piliers. Donc là, on va monter tout simplement les piliers jusqu'en haut. Hop, parfait. Voilà. Hop, et ici. Voilà. Du coup, pour l'instant, on obtient cela. Mais du coup, je vais aller me renseigner pour les autres piliers ici, parce que je pense que c'est pas les mêmes. Du coup, je vais faire ça et on va se retrouver tout de suite, les amis. Alors voilà, les amis, j'ai donc pris les mesures. Maintenant, on va donc revenir ici. On va ici laisser 9 blocs d'espace. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 blocs d'espace au 10e. On met donc nos piliers. Là, le même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 blocs d'espace au 10e. Hop, on met le pilier. Ensuite ici, il y a 14 blocs d'espace. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, et au 15e, on met donc notre pilier. Hop, voilà, donc on a bien 14 blocs d'espace. Ici, on retourne à 9 blocs d'espace. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 blocs d'espace. Hop, au 10e, on met nos piliers. Et là, la même chose. Donc, hop, 9 blocs d'espace. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, au 10e, on met, hop, des piliers comme ça, parfait.
Ensuite, on se tourne ici. Là, on va faire 9 blocs d'espace. Encore une fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Au 10e et au 11e bloc, on met des piliers. Et puis là, de retour, 9 blocs d'espace. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 blocs. Au 10e, on met, hop, notre pilier. Parfait, on se tourne vers la droite. On va ici laisser 9 blocs d'espace. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Au 10e, on met notre pilier. Là, le même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 blocs d'espace. Au 10e, on met notre pilier. Et là, ici, on va laisser 14 blocs d'espace. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Au 15e, on met notre pilier comme ça. Donc normalement, si vous ne vous trompez pas, on arrive pile poil, regardez, en face de l'autre pilier qu'on avait placé là. Ensuite, ici, on va laisser 8 blocs d'espace. C'est pas 9, c'est 8 maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Au 9e, on met notre pilier. Et là, c'est 9 blocs d'espace jusqu'à la fin. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Au 10e, on met le pilier. Là, pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Au 10e, on met le pilier. Et là, encore une fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Au 10e, ici, on met le pilier. Et voilà. Normalement, vous voyez, vous arrivez pile ici. D'ailleurs, ici, vous pouvez rajouter du béton blanc, comme ça. Voilà, tout simplement. Et du coup, maintenant, vous allez prendre les feuilles tropicales. Vous allez commencer ici. Et vous allez faire l'ensemble du tour qu'on vient de faire avec nos piliers. Donc, vous allez contourner l'ensemble des piliers avec les feuilles tropicales, comme ça. Donc, ça, on l'avait déjà fait dans la partie juste en face, là-bas. Hein. Donc, on recommence ici. Voilà, déjà un tour de fait. Maintenant, on repasse par ici. Voilà, hop, on revient comme ça. Parfait, ici, on revient comme ça. Hop, une fois qu'on est arrivé là, on revient comme ça. Du coup, on arrive là, on fait hop, 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 et comme ça, parfait. Donc voilà, c'est parfait. Une fois qu'on a fait ça, les amis, je pense que j'avais mis, je sais plus si j'avais mis des boutons sur ces faces-là. Je vais les regarder, mais je pense bien que oui. Ouais, c'est bien ça, regardez, j'ai bien mis des boutons. Donc on va rajouter déjà des boutons sur cette face là. Et puis les amis, je pense qu'on a vraiment terminé pour l'extérieur, hein. Je pense n'avoir rien oublié. Je vais quand même aller vérifier pour être sûr. Voilà, donc là ici c'est vraiment, encore une fois, au hasard qu'on les met, ces boutons. Voilà. Celui-là on va peut-être le changer. Hop, parfait. Et voilà les amis, du coup là on a terminé. Donc là ce qu'il vous reste à faire, c'est tout simplement faire la petite route ici. Je vais juste vous montrer comment on peut faire. Donc on va laisser ici 1, 2, 3, 4, 5. Là on va faire 5 aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est même 6 et 6. Donc vous mettez 6 blocs de béton blanc et 6 blocs de béton blanc. Et au milieu vous allez mettre des dalles de pierre comme ça. Hop, vous en mettez à chaque fois 2 comme ça. Hop. Voilà, on va s'arrêter ici au même niveau que les feuilles. Du coup, vous pouvez enlever le béton blanc et en fait, ici, c'est vraiment l'accès pour accéder au parking. Donc là, vous faites avec le matériau que vous avez utilisé pour faire vos routes et vous faites ici un grand parking tout simplement. Comme moi, j'avais pu faire là-bas, je vais vous montrer. Hein. Donc j'avais juste mis du béton, je pense. Voilà, vous pouvez remarquer, hein, j'ai fait vraiment ici l'entrée et ici le parking. Donc voilà, j'avais même mis des dalles sur le côté comme ça, c'est vrai que là je ne l'ai pas fait.
je vais vous montrer un peu. Hop. Donc ouais, soit ça c'est vraiment pas obligatoire, mais vous pouvez rajouter des dalles comme ça sur le côté. Hop, je sais plus où je m'étais arrêté ici. Voilà, et là, la même chose. Du coup, voilà, parfait. Au moins, je vous ai montré ça maintenant. On va juste aller à l'intérieur vite fait. Là, c'était déjà fait, mais regardez, ici à gauche, ce n'est pas fait. Du coup, là, vous allez faire l'ouverture. Vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait, donc il y a 10 blocs enlevés. Et ensuite, vous cassez comme ça pour faire l'ouverture. Et on viendra ici, donc, pour faire l'intérieur la fois prochaine. Donc, hop, on enlève. C'est parfait. Donc là, je vous montre. Hein. Donc, remarquez, à l'intérieur, ça donne ça. Donc là, il faudra bien éclairer quand même. Hein. Comme ça, au moins, ça sera fait. Ici, on a l'accueil. Et là, on a les autres magasins qu'on en fera par après. Alors, du coup, voilà, les amis, je pense vraiment que j'ai rien oublié. Je vais aller vérifier, mais je pense n'avoir rien oublié dans le tuto. Donc ceux qui ont envie d'arrêter le tuto maintenant, qu'ils n'ont pas envie de faire l'intérieur, bien le tuto est terminé. Ceux maintenant qu'ils ont envie de faire l'intérieur avec moi, eh bien je ferai l'intérieur avec vous dans un quatrième épisode qui sortira bientôt. Du coup voilà les amis. C'est vrai que par exemple il y avait ça aussi, ça, enfin vous pouvez le refaire vous-même, hein, regardez, c'est exactement le même que celui qui est ici. Du coup si vous avez envie de le refaire, bah refaites-le, moi je ne l'ai pas refait, c'est vrai. Mais bon, c'est pas obligatoire, c'est juste que moi je l'ai pas refait, mais vous pouvez le refaire, c'est vraiment le même que celui qu'on a mis là. Du coup voilà les amis, le tuto du centre commercial est terminé, on a vraiment tout fait. Il reste juste l'intérieur que je ferai avec vous dans un quatrième épisode pour ceux qui veulent le faire. En tout cas les amis, c'était Cardax, j'espère vraiment que le tuto vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à laisser le petit like et à vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Les amis, c'était Cardax, salut à tous.